Oh, ah, je vous ai mis à l'envers. Allô, allô? Oups, en tout cas, il y a personne qui l'a vu, là, mais vous étiez à l'envers. Salut, salut, comment ça va? Dites-moi un beau coucou quand vous arrivez. Le temps que mes chiens jappent, puis que je sache s'il y a du monde. Je sais qu'on est vendredi, je le sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Peut-être que vous m'avez déjà oublié, mais dites-moi coucou quand vous arrivez. Pendant ce temps-là, je nettoie mon tapis qui est énormément sale. Salut, Joanne! Qui d'autre est là? Qui d'autre est là? Dites-moi coucou. Moi, j'aime ça, les coucous. Désolée, elle va juste japper au début, puis mon chum n'est pas là, fait que ça se peut qu'elle jappe un peu plus. Oui, un live! Ça fait longtemps, hein? Écoute. Je m'excuse, les filles. Ma vie, là, va vite. Ma vie, c'est ça. Fallait que je prenne du temps pour moi, puis je l'ai pris. Fait que là, maintenant, je suis là avec vous. Mais c'est ça, je l'ai expliqué dans un live aujourd'hui, dans ma page perso. J'ai pris une pause, mais là, vous êtes dans la boîte. Hey! Joanne, salut, moi, c'est Cindy. Comment ça, tu te rappelles plus de moi? C'est triste, ça, là, j'ai de la peine. Bon. Hey, les filles, il reste quelques cases sur mon tirage, donc je le ferai pas ce soir. Salut Nicole! Je le ferai pas ce soir, mais je vais le faire bientôt. Écoutez, je reviens en force. Non, pas tant en force. Mais bon, en poils, parce qu'il y a plein de poils. Avez-vous vu? J'ai changé ma manucure. Elle est rendue mauve. Boop. OK. Je vous le refais. Boop. Long time no see. Ben oui, salut Carole! Au moins, Carole se rappelle de moi. Elle. Bon. Pendant que vous arrivez, je vais vous faire choisir. Ben, je sais bien, Joanne, t'inquiète. Je sais pas si Cassiopée va venir avec nous, parce que depuis un bon bout, Cassiopée est plus en haut. Que depuis que le décès de Moon, ben, Cassiopée a décidé de venir en haut. Bon, j'ai le goût de te faire choisir. Soit que je fais un tag avec deux tags transparents. Je viens de manger une motte de poêle. Allô, Caroline Bibot! Salut, Brigitte! Hey, Caro, c'est rare, t'écoutes mes lives. Comment tu vas? On jasera ça après. Ben, on peut jaser là, là. Ça fait longtemps que je t'ai pas jasé. Ou je fais un truc avec du chipboard. Ça, je vais la mettre de côté, puis... Le stencil aussi, je vais essayer de l'utiliser. Je suis tellement en amour avec ça que je ne sais pas. Est-ce que je fais une page avec les chipboards ou je fais le tag? Répondez-moi. Est-ce que je fais un tag ou une page avec des chipboards de... Oui, il faut survivre le COVID. Oh, le maudit COVID. Bon, excuse. Le COVID. Non, écoute, il est juste 8h30 hein, puis je suis déjà énervée. By the way, c'est parce que j'ai trop mangé de poêle. J'ai envie de mourir. Donc, répondez-moi, est-ce que vous voulez plus le tag ou une page? Tag, il est transparent, là. Je vais prendre les deux. Je vais peut-être mixer ça ou plus le stencil. Tag 2, page 1. C'est clair. Page 2, regardez mes ongles pendant que je fais ça. Poup. En date, c'est 2 à 2, gang. Ouais, il y en a qui sont là qui votent pas. Vous êtes gênés. Moi, me dérange pas, hein, j'ai tout mon temps. Ouais, moi aussi, j'aime les deux, mais on va le faire une autre fois, l'autre, là. Sachez que j'ai dit j'étais en feu. J'étais en feu. Bon, 2-2. Regardez, ça, c'est deux sortes de manucures différentes. Je me rappelle plus des noms, déjà. bon, ouais, mais je ferai pas les deux à soir, là. Faudra que je me couche un jour. Poup, oh. J'ai mis de l'eau dans mon lavabo parce que je vais utiliser mon stencil. Le chat vient de se mettre les pattes dedans, mais l'eau est un peu chaude. Les tags 3 à 2. 1, mais la réponse, Yannick, c'est tag ou page, pas 1 ou 2, face de pète. tag ou page? Tag ou page? Là, c'est 3 à 2. Celle qui a répondu... On va coucher ici, t'as le temps que vous me répondez. Allez-vous avoir mal au cœur si je fais ça demain? Page 3-3. Carole, fais-tu deux fois que tu votes, là? Je te surveille. Non, je suis mêlée. 3-3. Yannick, ton 1 voulait dire quoi? Tu peux nous dire?
Tag, on est rendu à 4 à 3. Je laisse 30 secondes si quelqu'un me répond. Puis après ça, sinon, c'est le tag qui va avoir gagné. Je sais pas si je suis capable de compter jusqu'à 30, pensez-vous? Mettons que ça fait 15 secondes. Droite. À droite, c'est page. Tag. Mais c'est correct, t'as écrit tag. Trop tard. C'est ça. Chut! Moi, chut! Faut que j'arrête de parler. Ok, j'arrête. Mais si je parle pas live, il va être plat. Qu'est-ce que ça en pensait? Moi, je pense que c'est tag qui gagne. Puis je ferai une page cette semaine. Peux-tu recommencer à parler, Carole? S'il te plaît. S'il te plaît. Je pense que je vais laisser sortir ceux-là. Ceux-là ne seront pas utiles pour le tag, mais peut-être ceux-là. Je vais les mettre de côté. Hein, si je parle doucement, Carole, c'est-tu pas pire? Je sais pas si le chute est à moi. Mais bon. C'est quasiment insultant. Donc, vous me connaissez. Je voulais voir, est-ce que... Tu sais, des fois, quand t'achètes du... Je parle plus. Tu sais, quand t'achètes du plexiglas, là, t'as une pellicule enlevée, mais là, non. Fait que c'est le temps qu'il a gagné. C'était-tu pas chanté, Carole, que tu m'as dit « chut » En tout cas, est-ce que je peux recommencer à parler? OK! OK! Là, moi, je suis chute depuis tantôt. Tu vas être crampé, ben raide. Bon, mais c'est tant que gagné. Fait que je sais pas de qu'est-ce que tu avais voté. Donc, là, comme on travaille en transparence, ça va être le fun de faire comme deux trucs. OK. Moi, je chuchotais depuis tantôt. C'est sûr que je vais utiliser ce magnifique stencil-là qui est écœurant. Puis, je vais aussi utiliser l'étampe. Et je vais peut-être prendre les chipboards et peut-être... Puis là, j'aurais le goût d'utiliser ces couleurs-là, mais je vais me jaser, OK? Ouais. Sur du plastique, la Season, l'Archival Inc. Arrête, ça me semble, me rappelle plus. Salut, Vicky! Tu m'écoutes de loin? Tu m'as écouté toute la journée? Dites-moi, je suis mélangée. J'ai comme un blanc, les filles. Est-ce que l'Archival Inc. reste sur du plastique? Permanent waterproof. Je pense que oui. Je veux du vernis. Alice, regarde comment il est beau. Il est écœurant. Il est écœurant. On va se parler après parce que là, je peux pas te vendre du vernis là en ce moment. Clean. Oui. Moi, je chuchotais. Pauvre Carole. Oh my God. Hein? Ben, pas pauvre Carole. Pauvre Cindy. C'est une bine que je suis toute qu'un phénomène. Au moins. Oui, l'archival reste. Bon, ben, on va y aller avec l'archival. Là, mais il me semble que celle-ci n'est plus vraiment... Ah, oh, mais malgré que c'est en caoutchouc, fait qu'on devrait être correct. Et je... Les filles, je pensais que j'avais pitché mon gloss dans mes affaires. Puis j'étais comme, hey, je suis vraiment désorganisée, mais c'est un Amboss gloss. Pour celles qui ont déjà eu des parties érotiques, il y a des glosses à... Poupou! Fait que je pensais que c'était ça. Il y a de la même couleur. Bon, bref, j'ai-tu dit ça, moi, dans mon live? En tout cas, bon, bref, j'espère que Brian n'écoute pas. Parce que Brian, tu te demanderas à Vicky de s'acheter le gloss. Salut, Cynthia! Oh, Seigneur, que j'en dis de la merde dans la vie. Bon, OK. Voilà. Fait que là, je prends... je vais prendre, pour commencer, l'étampe. L'autre fois, on avait testé quand j'ai fait mon live des produits que ça tient si on enlève le truc. Fait que là, je vais en faire un peu avant de faire mon embossing. Parce que là, c'est sûr qu'en faisant des tags, je pense pas que je veux que ça soit translucide tant que ça. Je veux comme un effet le fun. Oups! «
Là, vous m'avez vraiment dit que ça reste dessus. Bon, Yazzie avec mes gars. Je sais même pas c'est quoi. C'est ça, Jannick, tu connais ça, toi? On veut pas de détails. Mais non, c'est juste qu'il ressemble à vous, Jannick. Fait que là, j'ai comme pogné à 2 minutes, mais c'est vraiment un outil de bricolage. Mais là, OK, j'arrête. Désolée, les filles. Désolée, j'ai été désorganisée. Ben, comme tout le temps. Fait que là, je vais utiliser ces magnifiques feuilles pour faire un petit design. Puis, ouais. C'est sûr que, me connaissant, j'ai comme le goût de mettre des fleurs puis de mettre du stencil. Fait que là, ça devrait être correct. Tu me diras c'est quoi, Yazzie, avec, ben pas tes gars, ça me dérange pas. Puis moi, je vais te parler de mon cutex demain, Vicky. Moi, je pense que je t'en parle tous les jours jusqu'à temps que tu sais quoi. Hein? On appelle ça, avec mes amis, vu que c'est un cutex en gel, on appelle ça du Q-gel. Pas très beau. Fait que c'est du vernis gel, les filles. Mais bon, moi, je dis des niaiseries dans la vie. Fait que voilà, j'ai appelé ça Q-gel. Je sais pas s'il faut sécher ça. Je vais le sécher un peu. Ah, c'est un jeu de dés. Et je le sais que tu connais ça, t'en avais. Mais bref, il est pareil. Fait que là, excusez, là, j'ai eu comme un petit 2 minutes. Puis là, je me suis dit, why? Pourquoi j'ai mis ça là? Ah, oh, crème bien. Bon, mais on pourrait jouer au dés au lieu que je fasse un bricot. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Fait que là, est-ce que je prends une petite pâte iridescente? Ou je prends-tu une avec de... Ça, c'est silver, iridescent, puis je pense que j'ai la gold. On y va-tu dans le silver? Oui. On y va dans le silver. Ben, je parlais d'un gloss à... Woup! Ce que mademoiselle a écrit, là. En fait, les ça, c'est un emboss gloss, mais ça ressemble à un gloss à pipe. Je m'excuse, les filles, pour vos oreilles chastes. Fait que là, j'ai pensé que mon gloss, il était dans mes affaires de scrap et je comprenais rien. Mais c'est bien correct, Amélie, on va parler de toi tout le long, t'es sans le son dans le hockey. Fait que, hein, on dit tout salut à Amélie! Oh, je me trouve drôle. Bon, OK, fait que là, j'avais utilisé la pâte 3D gel de Fabrica avec glitter silver, ça veut dire gris. Je vais utiliser ça. Si vous en avez à la maison, tu veux un gloss à pipe? Ouais, un boss gloss. Hey, dis-moi là, connais des gens, moi, qui vendent des gloss. Un gloss à pipe. OK, hey, sérieux, les filles, vous vous ennuyez de moi qui dis de la merde, hein? Mais c'est ça. Bonne chance! Bon, je te présente Jannick Cyr. Vicky, tu peux aller en privé lui jaser. Elle en a plein. Je vais te donner son lien boutique. Bon. Hey, j'ai dit que je voulais ce truc-là, puis là, mon chum n'est pas là pour que je force. Pour qu'il force à ma place. OK, je suis vraiment crampée. Je vais être capable de me ressaisir, vous pensez? Oh, Vicky, faut que j'en commande. Tes ébats se promènent jusqu'en bas. Salle de scrap, fouf. Ben non! C'est un embossed gloss. Gars, embossed gloss. Il est juste pareil. Puis moi, je fais pas ça, les filles, hein. J'ai juste ça comme paru. By the way, là. Vicky, je t'adore. Brian, tu me diras merci lorsqu'elle l'utilisera. Tu vois, ça chauffe. C'est quand même intéressant. Bon, OK. Bon, les filles, on utilise-tu autre chose? Parce que je suis pas capable d'ouvrir le pot. Il y a des gens qui ont quitté. C'est peut-être parce que j'ai... Ah, regarde, tu vois. Voilà, c'est réglé. Là, c'est sûr que je vais mettre ça dans le milieu. Ouais, je pense que je vais mettre un tape. Ah, c'était... Salut Nancy! C'est clair, pas du cœur.
Hey, mais je sais pas si ceux qui le savent, là, j'étais en essai bébé. Nous allons voir. Ben, je dis j'étais, je suis encore. Fait que, by the way, j'utilise pas le gloss présentement. Ça serait du gaspillage. J'ai-tu vraiment dit ça, moi? C'est bon, ça. Réponse de Brian. OK! Bon, Jannick va parler à Brian et Vicky. OK? Va jouer au date avec tes gars. Puis après ça, on va se parler de gloss pis de patente, là. Mais j'ai réussi, les filles, mais j'ai plus de bras. En fait, j'ai eu 3 massages aujourd'hui. Fait que... Ça doit être pour ça. Bon, fait que là, moi, je tape ça un petit peu en nunuche parce que je veux comme avoir une... Pas une connexion, mais une continuité. Puis dans le milieu, j'en mettrai pas, hein. OK, Joanne, est-ce que tu veux vraiment que je l'explique? Mais je m'excuse s'il y a des pays. Tu veux le vrai gloss que je t'explique ou le gloss sexuel que tu veux que je t'explique? Sérieux, Jannick, tu me donnerais une cote si je te fais des ventes de gloss à pipe. Fait que... oui, moi aussi, je m'ennuie, c'est pas Brian qui a écrit ça. Ben oui, tu viendras, puis ta pitoune, là, a hâte de se faire vacciner, puis de te voir. Vicky, fait qu'on va se croiser bientôt. Bon, ça y est. Fait que là... Ça, c'est mon chien qui se gratte l'oreille ou le cou. Fait que là, moi, je meurs de rire à soir à cause de vous autres. Encore. Oubliez pour l'instant. Bon, c'est bon, ça. Vicky, bye! Va jouer au dé! Amélie, elle parle pas fort hein, quand que... Écoute, là, OK? Vas-y, t'es bonne. Je sais que je suis bonne, je serais excellente, mais savez-vous quoi? Je peux pas, avec le travail que je fais, être représentante de trucs érotiques. Un, je vendrais beaucoup trop. De deux, ça a l'air con, hein, travailler avec les enfants puis vendre des affaires érotiques. Fait que je laisse ça aux gens comme Jannick. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ah, bon. OK, fait que là, avec tout ça, ben j'utilise ma pâte glitter. Comme je disais, je voulais mettre un lien entre les deux. Fait que il est quand même gros, le stencil, puis je veux pas tout cacher l'estampillage. On dit ça? Si je serais française... Tu gèles des fois, pas grave. Ah ouais, gèle! Le gloss aide la fertilité, je suis pas sûre. Mon bracelet, oui. Bref, puis ouais, c'est ça. Fait que non. Oh, sérieux, je suis toute mêlée, là. Je me perds. Je m'excuse si ma connexion perd, mais ça doit être la tienne, Sylvie, parce que, tu sais, quand je fais des lives, puis ça gèle, d'habitude, ça me le dit. Puis là, ça le dit pas. Fait que, Sylvie, tu restes trop loin. C'est pour ça. Donc, voilà. Hey, j'ai hâte de voir la couleur que ça va faire. C'est regarder dans le fond, comme séché. Il y a ta belle petite voix qui me manque. J'entends les annonces. Ah, oh, Amélie, je dis de la merde. Fait que pauvre toi, mais que tu le réécoutes, tu vas trouver ça drôle. Bon, fait que Caroline, moi non plus. Bon, puis Caroline Bibeau, je suis sur ta TV. Toi, d'habitude, tu m'écoutes sur ta TV. Tu m'as-tu mis en gros plaid? Ah, malgré que c'est sur Facebook, peut-être pas. En tout cas. Wow! Regardez-moi ça, comment c'est beau. Je mets ça dans mon petit lavabo. Je mets ça dans mon petit lavabo. Je vais sécher un petit peu. Le rire pour la fertilité. Ah oui, tout est bon pour la fertilité. Pensez-vous que si je ris, ça va coller? on sait jamais, hein? On sait jamais. Écoute, il y a tellement de théories sur ce qui colle et ce qui colle pas. Quand ça collera pour le bon. Hein? C'est ce que je me dis présentement. Je vais le sécher parce que j'ai comme l'impression que ça va être transparent. Puis,
je vais superposer par la suite le collier. J'aurais pu le superposer puis utiliser le stencil. J'y réfléchis. J'aurais peut-être dû faire ça, mais bon, c'est pas grave. Mais que je le mette sur YouTube, Caro, tu le mettras sur ton. bon, hey, ma question fatidique que je vous pose à chaque fois, qu'est-ce que vous pensez que j'ai mangé à soir? À part avec mon gloss, là. Hein? Qu'est-ce que j'ai mangé pour souper? Ben oui, sur Facebook, vous pouvez m'écouter. Ah, sur votre TV? Ben oui. Ben oui, ben oui. Hey, c'est brillant, tabarouette, là. Je mets jamais de glitter, moi. Ça va être glitter, glitter. En tout cas, ce que je peux dire des tags, c'est qu'ils sont vraiment de belle qualité parce que mon tapis gondole, mais pas les tags. Ça aurait pu, même s'ils sont épais, gondolés comme sur les coins, fait que c'est vraiment une bonne qualité. Je sais pas si tendance les a, cette collection-là. Y en a-tu qui sont habitués à magasiner chez Tendance? Est-ce qu'il y en a AB Studio? Ça s'écrit de même, là. AB Studio. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que, à la carte, je sais qu'elle n'en a pas. Elle va peut-être les commander à un moment donné. Mais ils sont vraiment en train de déménager. Art du scrapbooking. Salut Amélie. On dit plus rien, t'es arrivée. Art du scrapbooking à Laval. Je sais plus si ils sont rendus où. Eux autres, ils en ont commandé. Ou sont en PO. Mais je sais pas les autres à Québec, là. S'il y en a, je sais aussi que pour Art du scrapbooking, il y a une précommande de... Hein, ça a vraiment gondolé. Une précommande de Fabrica Décoru. Fait que celles qui sont loin, c'est une bonne façon de pouvoir les acheter. Bon, je pense que... Non. Je vais le faire plus tard, ça. Amélie, t'as rien manqué à part juste des niaiseries comme toujours. Tu sais comment je suis si bonne à faire ça? Hey! Sérieux, gars? Tom, tom, tom. OK. Hey, puis quand je pense, j'aurais pu mettre les trucs que tu m'as donnés, Amélie. Ils sont restés dans le tout encore. Oups! Je les ai mis à un endroit dans le tout pour pas les briser, puis je les ai oubliés, là. Fait que, oups, 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 ça va être dans un autre live. Bon. Fait que ça va quand même bien se faire. Là, c'est ça qui est plate. Quand c'est du transparent, je pense que je vais prendre la colle Fabrica. Quand c'est du transparent, ben je sais que tu aimes les niaiseries, toi. C'est une colle transparente. Voyons, quand c'est transparent, il faut utiliser de la colle transparente. Fait que là, je vais y aller. C'est sûr que j'en ai mis beaucoup, mais sachant qu'il y a un stencil puis que moi, je vais m'amuser peut-être à mettre... À mettre du papier, ben c'est un bel endroit pour faire ma superposition. Fait que là, je vais coller ça de cette façon-là. Est-ce que je mets... Et c'est vraiment pas ce que je fais d'habitude, hein? Du glitter de même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bizarre, à date? On dirait que là, c'est sûr que je vais travailler en mauve. Fait que là, je vais aller m'amuser avec des trucs en mauve. Je ne sais pas si AB Studio font des... comment ça s'appelle? Des die-cuts. Hein, sérieux, je cherche-tu mes mots aujourd'hui? Mais... mais ils font pas des die-cuts, mais il y en a dans leur papier. Je te montre. Celles-là qui ont... Si tu n'as pas vu ma commande, j'en avais vraiment beaucoup. Fait que là, je suis en train de fouiller. J'ai comme le goût d'y aller dans le monde. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans le monde. Puis je sais qu'il y a une super belle collection. C'est juste qu'elle est dans le fond de ma boîte. Fait que d'ici ce temps-là, c'est le moment. Mais il n'y a personne qui a répondu ce que j'avais mangé pour souper. En tout cas. C'est pas comme d'habitude. Fait qu'essayez de deviner. C'est pas de la bavette. Ce n'est pas de la bavette. Bon, c'est ça que je pensais. Je pense que c'est celle-là que j'aimerais. C'est sûr, c'est la dernière, gang.
c'était la dernière, puis je pense qu'elle fit avec le stencil. Ah, oh, pauvre toi! Ah, fallait écouter, Amélie! Non, non. De la pizza, non. No pizza. Ah, c'est vrai, la dernière fois que j'ai mangé de quoi de bizarre, j'ai mangé de la pizza pochette. No pizza. Non, c'est pas de la bavette. Hey, il est malade, le papier, hein. Moi, d'habitude, d'habitude, il y a comme des petites découpes, mais je vais peut-être y aller avec le taille. Oh, il y en a des découpes, les filles! Craft Dinner, non. Non, elle fit. Je veux que tout fit avec mon cutex. Puis pour vrai, là, ce matin, vous le voyez pas, des céréales, non. Ouais, ça aurait pu, hein, mes céréales. C'est encore le nom de groupe. Regardez mon chandail, il est quelle couleur? Je me suis habillée aujourd'hui avec des leggings. Celles qui ont vu mon live, ils le voient, là, mais regardez. Ça, c'est mes leggings. Ça, c'est mon chandail. Puis, j'ai même pas pensé, puis j'ai mis... Non, il y a même pas d'épices et piqûres dans mes affaires. Des sushis, non. Ouais, j'ai même pas pensé. Fait que tout fit comme un petit creton, sans y penser. Fait que là, quand je suis partie pour faire mon live, j'ai fait... Mon cutex fit avec mon gilet puis mes culottes. Puis, je pensais pas plus à soi. J'ai le goût d'utiliser du mauve. Fait que tu vois, si je suis enceinte, là, ça va être une petite fille. Je suis dans le mauve aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, wow, mais non, mais on veut pas gaspiller ça. Regardez comment il est beau. Tu veux pas? Non, pas des aubergines. Ça, par exemple, je vais sûrement le découper. Ouais, c'est la seule chose qui me déçoit de AB Studio. C'est qu'il y en a juste un papier. Tu sais, d'habitude, on achète des kits, puis tu l'as deux fois, fait que t'es content, puis tu... Mais là, ils sont beaux des deux côtés. Ça, c'est trop gros, mais ça aurait été beau. Ça aurait été beau dans un fond de page. Ouais. En tout cas... Je suis déçue. Oui, des aubergines. ouais. Mais ça fit avec mon gloss. C'est pas vrai. Oh! Oh, pour vrai, les filles, je suis vraiment déçue. Je vais checker si je l'ai encore, cette collection-là, deux fois. Que je vais être obligée de recommander, hein. Que je fais du bruit. Non, je l'ai pas. Bon. C'est correct. Fait que la morale de cette histoire, si vous commandez du AB Studio, ben, commandez-en deux fois. Fait que je vais me découper de ça, puis je vais peut-être utiliser un peu de ça. Comme ça, ça va être le fun. C'est sûr que je vais prendre lui comme tag. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Il y a du poil de chat ici, mes amis. Il faudrait que je fasse le ménage de mon atelier de scrap. Parce que la personne qui fait le ménage chez nous, ben, elle le fait pas dans mon atelier parce qu'elle est découragée. Fait que là, elle est poussette, mais elle est poussette pas dans mon truc. Fait que je vais en mettre dehors. Oui, AB Studio. Ça m'a coûté énormément cher, le shipping. C'est ça que je disais la dernière fois. Mais c'est une compagnie polonaise. Fait que c'est sûr que s'il y a des compagnies québécoises, genre Tendance puis à la carte qui les commandent, je vais être ultra heureuse puis je vais les acheter là. Parce que c'est US et... Ouais, US, puis le shipping est quand même cher, mais bon, je devrais recommander une coupe de patentes bientôt. Je vais voir, mais tu sais, j'ai... c'est ça, j'en ai beaucoup, là, quand même. Salut, Julie! Ben oui, c'est ma mère, je peux pas mettre dehors. Mais ma femme de ménage, qui est ma mère, que j'adore, si elle l'écoute, elle va rire. Elle a...
Toutoulou. Elle est découragée de voir mon atelier. Ouais. J'ai réfléchi à voix haute, à voix basse, à voix. Je pense que je vais prendre ces deux-là. Oui. T'étais pas partie, Vicky? Tu voulais qu'on reparle du gloss? Ben, en fait, c'est une feuille qu'il y a dedans, mais oui, ça pourrait être éphéméra. C'est juste que là, c'est moi qui fais l'effet mère qui coupe. Me trouve drôle! Bon, Vicky, sac ton camp. Vicky, sac ton camp. Je veux pas te voir. Et c'est... Bonne soirée, Vicky. Bon, Vicky est partie, on peut parler d'elle. Là, Vicky, là, ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe. C'était des blagues, hein? Ouais. Entendez-vous que si elle est en haut, puis bon, OK. Ouais, fait que je vais découper ça, ça, puis j'ai reçu une coupe de fleurs de Fabrica, je ne vous les ai pas montrées. La commande de Fabrica, by the way, ils sont vraiment pas vite. Elle est encore sur ma jammer. Moi et Fabrica, des fois, je les trouve pas vite. C'est la même chose pour ceux-là. Là. Ça a pris du temps, mes amis. Bon. J'avais l'air d'une fille qui était pas capable de gérer ses ongles, mais pourtant, c'est mes ongles. C'est pas des ongles à rapporter. Je n'ai rien contre les ongles rapportés, mais moi, je n'ai pas le choix d'avoir mes ongles en massothérapie. Ben, en fait, j'aurais le choix, mais je pense que je serais moins habile avec des ongles, des rallonges. Fait que même là, je vais les garder, essayer de les laisser pousser, mais ça se peut que je ne sois pas capable et que ça fasse mal à mes clients. Fait que je vais être obligée de les garder courts, mais beaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous autres, quand vous faites masser, j'ai pas répondu ce que j'ai mangé pour souper. Puis après ça, je vais vous poser une question. J'ai mangé une sandwich au poulet. Mais tu sais, une sandwich d'un pain Kaiser avec de la mayo, du fromage au jalapenos, du pain aux fines herbes, de la salade, de la mayo, puis du vrai poulet, tu sais, d'un poulet chaud. Fait que tu sais, c'est pas une... C'est pas si pire, là. Mais... Ouais, ma question est, quand vous allez vous faire masser, est-ce que vous sentez les ongles des massothérapeutes? Toute qu'une question existentielle, hein, pendant que je vous ai. Caro Bibo, tu peux répondre, tu te fais souvent masser par ta cousine, toi. Hein? Est-ce que je coupe l'intérieur? Non, je pense pas. Non, pas d'ongles. Bon, là, cœur. Salut, bye, Amélie. Non, tu sens pas les ongles. Les autres filles. Allez-vous vous faire masser? Ça... Vous pouvez me répondre, moi, je ne pas me faire masser. Un, je suis pas riche. Ou deux, j'aime pas ça. Ça se peut. Ça se peut bien que tu aimes pas ça, te faire masser. Pauvre Cassie. L'entendez-vous ou c'est juste moi? Je sais pas c'est qui ta masso qui se fait mal. Go, abs, go! Je déteste le hockey, fait que... Je créerai pas ça. Puis, by the way, Vicky... Pas Vicky, voyons, j'en ai mêlé. Cynthia. Je sais pas pourquoi j'ai changé de nom. Là. Cynthia, by the way, ta masso, elle te fait des ventouses. Fait que c'est normal que ça fasse mal. Bon, fait que ça veut dire que si vous remarquez pas les ongles, c'est que soit elle en a pas, ou soit qu'elle les utilise pas, fait que vous me répondez bien. Ça a l'air que des fois, quand c'est les ongles naturels, les gens les sentent. Puis quand c'est des ongles rapportés comme des faux ongles, on les sent moins parce qu'ils sont plus plus épais. Mais ben honnêtement, je
Je sais pas, moi, c'est les miens. Moi aussi, elle me fait mal et c'est normal parce que c'est pas un mal. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, quand c'est musculaire, gang, c'est normal que ça fasse mal. Puis que ça fasse mal, mais que ça fasse du bien. Hein? Hey! Ça va être beau, Cynthia, de me traiter de folle! Tout quoi, moi, je l'aimais, Cynthia, mais là... Hein? Méchante folle et fine. Ah, j'ai mon cop à dents que je vais aller chercher. Il va faire des plus petits trous. Des plus petits trous. By the way, c'est un live de Josette à soir, hein? Jose, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. C'est vrai que ça gratte pas des faux ongles, mais pour de la masso, je pense que les gens les sentent moins. Mais bon. Vous me le direz, les filles qui viennent me voir, pas Caro, là, parce que Caro vient pas me voir. Je fais des blagues, Caro. Je te niaise. Mais vous me le direz si vous les sentez, mes ongles qui poussent. 5-6 motons, comme ça, mais j'ai coupé mes ongles. Je me ferai des ongles au gel sur des petits ongles. Bon, hein, j'avais jeté ça, mais je vais garder ça. Bon, trêve de plaisanterie. C'est le moment là, le plus silencieux. Je sais que je suis loin. Ventouse, ouf, ça fait pas du bien. Traitement en physio suite à mon opération à l'épaule, mais on me dit que c'est un mal qui fera du bien. Oui, la ventouse, là, by the way, là. Faut juste respirer, gang. Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, les ventouses, c'est un principe de vasculothérapie. Puis, ce que ça fait, c'est que ça décolle ton fascia du muscle, puis ça l'aide au niveau des tensions, surtout quand tu as des mal chroniques. C'est une médecine chinoise. Et pour vrai, oui, ça fait des marques comme des sucettes, mais c'est tellement l'affaire qui soulage le plus les méga tensions musculaires. Là, moi, je capote là-dessus. Mais oui, ça fait des gros pépéronis, là. Puis tu vois, il y a celle qui me suit sur Instagram, là. J'ai une amie qui est venue, puis elle m'a dit, oui, fais-moi-en à plein des ventouses. Mais écoute, elle a le dos complètement marqué. Bon. Fait que là, au lieu de jaser, là, travaille, Cindy Brown. Ouais. Fait que là, les seules contre-indications, ma chère Caro, pour la les ventouses, c'est les femmes enceintes, puis la tension. Mais sinon, oui, c'est vraiment pas quelque chose de nocif. Là. Au contraire, même, c'est vraiment bien. Puis ceux qui connaissent... la médecine chinoise, ils peuvent dire que c'est juste génial. Je fais tout ça ou... Ouais, j'aime bien mieux de même. Mais pour vrai, l'essayer, c'est l'adopter. Moi, j'aimerais ça que tous les masseaux que je vais voir en face. Mais malheureusement, il n'y en a pas partout. Mais moi, je m'en ferais faire à tout bout de champ. Partout. Ben, pas partout, là. Pas d'en face, là. J'aurais des grosses sucettes. Mais, ouais. J'aime bien ça. Problème de cœur, non. Il n'y a pas de problème, Caroline. C'est sûr que tout ce qui est massage au niveau problème de cœur, il faut l'autorisation du médecin, là. Mais il n'y a pas plus de problème de la vasculothérapie qu'un massage normal très, très, très musculaire. Là. Fait que ça, tu devrais être correct. Puis sur les cicatrices, ça pas, au contraire. En fait, là, ce que ça fait un effet de sucette,
puis ça fait comme un échymose. Fait que, tu sais, c'est pas pire que ça, là. C'est pas pire que ça. Ouais. Fait qu'en tout cas... Bon, fait que tu vois, Caro, mais... faudrait qu'on vérifie ensemble là, ton problème de cœur, là. Si c'est parce que t'as trop de peine d'amour. Si je me trouve drôle, en plus. Oh, c'est une blague! C'est une blague. OK. Oh, que je suis comique, mais c'était déplacé. Ben, toi, tu... Ouais, non, c'est pas déplacé, tu m'aimes demain. Bon, c'est ça, fait que... Ouais, mais... non, faudrait en discuter ensemble, mais moi, je verrais pas de problème, ma chère Caro. Pour moi, trop récente. Ah, ça se peut que ça soit à cause qu'elle est trop récente, par exemple, Carole. bon. Ah, oh, phew! Phew! L'humour de Caro est revenu. Ben, elle était jamais partie, en fait. Ouais. C'est très drôle. J'en ai jamais eu. Ben oui, t'en as déjà eu. Des problèmes de cœur ou un cœur? Ben oui, t'as un cœur, ma belle Caro. T'en as même un très, très, très exceptionnel. Fait que ne doute pas de ça. Bon, je suis vraiment en train de tout scraper, moi, là. Bon. By the way, si je la mets... On met ça... En... Ça va bien? Oh! Hey, non, là! C'est, en plus, là, Caroline Bibeau, ton cœur, il est spécial. Il est extraordinaire. Bon, ça y est, là, t'es aveu de m'envoyer des fleurs. Je pourrais t'envoyer le pot, en attendant. Si je mets ça noir... Je vais mettre mes ficelles dans mon tag. Après ça, je vais mettre du noir. Ou peut-être pas. Puis, après ça, je vais voir qu'est-ce que j'ajoute comme fleurs. Parce que j'ai eu plein de fleurs de Fabrica décoru. Ah, c'est bon. C'est bon, les fleurs. Mais pour vrai, Caro, on jasera tantôt. Je m'ennuie de te jaser, mais ça fait longtemps pour vrai, là, qu'on s'est parlé. Je veux patiner. Pour ceux qui ne le savent pas, moi et Caroline Bibeau, on se déteste, mais on jase souvent. bon, voilà. Fait que là, je suis en train de mettre les petites cordes. Je vais-tu trop vite? Je dis-tu trop de niaiserie? Bon, si j'en dis trop, je suis désolée. Ça vient que la fille. En tout cas, il y en a de moins en moins qui écoutent, fait que j'ai peut-être brûlé tout le monde. Il est peut-être rendu trop tard. En tout cas, je vous aime pareil, tu sais, même si vous m'écoutez pas tout au complet, ça va être en rediffusion. J'ai plus de vie, j'ai recommencé à travailler. Oh. Effectivement. Il fallait que ça arrive un jour, quand? Voyons. Tous ceux qui sont partis, vous manquez de quoi, là? Oui, j'ai dit beaucoup de niaiseries. Mais bon, vous allez manquer le plus intéressant, la fin du projet. Si un jour, je le finis. À jaser trop de même. Celles qui sont là, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans la boutique? Là, j'ai mis une coupe de patentes. Il y a beaucoup de Lindy. Il y a beaucoup de... des chipboards, il y en a un peu. Qu'est-ce que... Voyons, saigne, je peux pas regarder ça. Moi, j'ai déjà été me faire un massage et je lui avais dit dans mon pied droit de ne pas toucher mon gros orteil parce que j'avais de l'arthrose dedans et j'étais relaxe. Ça me faisait du bien juste quand elle me tire le gros orteil. J'ai tellement eu mal, ça a été fini pour moi le massage. Oh, ça, c'est parce que tu as eu une massothérapeute pas à l'écoute de toi. Hey, salut Sonia! Yes! Joanne est encore là! Hey, merci!
je m'amuse hein, dans du transparent. Mais en fait, là, le tag, on le vire jamais de bord. Fait que c'est cool de faire un tag transparent. Hein? Il est brillant de ce bord-là. Mais tu sais, pour vrai, c'est sûr que si on le mettait dans une enveloppe, là, à ce moment-là, ça serait différent, mais... En tout cas, bon. Du gloss? Tu veux qu'on repasse? Tu veux qu'on mette du gloss? Faudrait que j'en mette hein, dedans. Mais tu veux... Ah, OK! Est-ce que c'est ça? Chris, que je suis pas lumière à soir? Oui, effectivement. Puis c'est pas de ma faute, ma belle Joanne. C'est Post Canada. Ils me font pas de prix. Puis à chaque fois qu'il y a des papiers d'os, c'est vraiment cher. T'as bien raison. J'en suis vraiment désolée, Joanne. Mais quand tu le mets avec Lise, ça va pas pire. Hein? Cynthia voudrait du gloss. Du embossé gloss. Ouais. J'aimerais ça, hein? Mais tu sais, c'est sûr que c'est plus pour les filles qui sont à Québec. Même. Fait que souvent, je vais même leur livrer chez eux. Mais t'as bien raison, j'aimerais ça être pas cher et avoir un prix, mais Post Canada, il m'aime pas assez pour ça. Ouais. Ouais, je sais, crème bien. Puis tu sais, en même temps, j'aime ça vous faire les cadeaux, mais à moins que tu sais, ça soit. Tu sais, comme là, les cases, c'est 75 de crédit. Mais on pourrait, tu sais, ça pourrait être le shipping est enlevé, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, ça pourrait être 75, mais moins pour ceux qui restent loin, là. Je sais, je trouve ça plate. Je trouve ça très plate pour vous. Bon. Non, savez-vous quoi? Je suis déjà entrepreneur, là, puis ça coûte ultra cher, envoyer parce que c'est pas, j'ai un rabais, puis c'est full cher. Fait que je me demande le monde qui envoie des colis, comment ça leur coûte. Mais c'est parce que c'est quand il y a du papier 12-12, c'est comme un format trop cher. Plus gros. Fait qu'ils chargent la totale. Ouais. Fait que c'est pour ça parce que je suis déjà dans le programme d'entreprise. Imagine. Imagine, ça serait quoi? Puis tu sais, je vous la montre la facture, là. C'est vraiment pas. Et c'est gratos. Oui, c'est gratuit, mais je l'ai déjà, ma chère. Je le suis déjà, mais. Je le sais que c'est gratos, mais c'est aussi cher. Oui, le shipping en groupe serait une bonne idée, par exemple, si vous êtes une gang, là. Mais, tu sais, c'est pour ça que, moi, ma boutique, c'est pour dépanner. Je sais qu'il y a des boutiques dans vos coins, puis, tu sais, c'est ça. Le but, c'est pas de vous faire suer. Ouais. Bon, fait que là, ça avance bien pareil, même si je jase. Il est quelle heure partout dans le monde, là? Quelle heure est-il? Par chez vous. Mais c'est en tout cas. J'aimerais vraiment ça être moins cher. Ça me ferait vraiment plaisir pour vous parce que c'est vraiment pas quelque chose que je contrôle. Malheureusement. Bon, il est 21h18. Bon, mais c'est bon. Merci les filles. Comme ça. Bon, fait que là, avant de mettre de la couleur, je vais ajouter des fleurs. Je le sais que elles ont mis des PO de fleurs. J'ai un chat qui fout la merde en dessous de ma table. C'est qui? Je voyais ma table faire. C'est un chat qui voulait jouer. Bon, voilà. Ça, c'est des belles couleurs qui fait très. Il
Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je sais pas si elle va l'écouter, là. Ah, je sais pas, il y a du turquoise, je le mettrai peut-être. Qui m'a demandé est-ce qu'ils se travaillent bien, les fleurs Fabrica, parce que ils sont pas en tissu. Écoute, ils sont belles, là. Ils sont peut-être grosses un peu pour aller sur mon tag, ceux-là, par exemple. Ça, peut-être. Bon. Oui, plein de fleurs. Oui, j'ai commandé tout ce qui était disponible. Je me suis dit, les filles me demandent c'est quoi les genres de fleurs, mais je vais les commander. Désolée pour le bruit. Ouais. Ça, je savais pas c'était quoi. Fait que là, ça ferait. J'ai comme l'impression que Fabrica, des fois, ils ont des fleurs, des fois, ils n'en ont pas. Fait qu'en tout cas, ça fait des nouvelles fleurs. Des fois, on aime ça. Hein. Oh, je pensais que... Bon, ils se vendaient tout seuls. Moi, je pensais que c'était juste des pétales, pas de trucs. Ça se peut bien que je prenne pas ça. Bon, bon, bon. Fait que là, j'avais ajouté... Un truc de même. Je l'aime bien. C'est comme du plastique. Je me suis pété un petit reculon. Là. Là, je viens de me péter la tête sur la caméra. Ouais, fait que... Ah, oh, peut-être là. Ouais. Je suis silencieuse, hein? Ça y est. Ça y est, je suis décédée. Allez me coucher. Oh, êtes-vous plus fatiguée ces temps-ci, vous autres, parce que la rentrée arrive? Il y en a beaucoup là, que leurs enfants vont aller à l'école. Mm-hmm, je l'aime bien le feuillage. Ça, je suis pas sûre d'y prendre. C'est là. Poigne les bonnes ciseaux, la vieille. Ça, c'est moi la vieille, by the way. Ouh, j'ai mis ça. Bon. Je colle souvent mes fleurs, moi, avec de la colle chaude parce que c'est automatique, c'est collé. Merci, bonsoir, quand je m'en fâche pas dedans. Il y en a qui aiment mieux prendre autre chose. Pas de la vraie colle, mais de la colle, tu sais, comme transparente. C'est vraiment à vous de décider. Je suis vraiment gauche à soir. À peu près 22 fois, je me pète la tête. Vous en rendez du compte? Celui-là, non, parce qu'il y a du... Malgré que ça ferait beau, j'ai rien dit. Alors, je veux rien dit. Je me disais, il y a du bleu, mais... Ça fait beau. Oh non! Je l'ai échappé. J'aime mieux brûler les mains que scraper mon tag.
Oui, on a parlé du gloss, Caro. J'ajoute des fleurs, tu tripes pas fleurs. On a parlé des fleurs de Fabrica, on a parlé du shipping qui était trop cher, mais toi, tu n'aurais pas de problème de shipping dans ma boutique parce que tu restes à Québec. C'était plus les filles de Montréal qui disaient ça. Ouais, ça, j'aurais aimé ça. Tu sais, des fois, il y a des fleurs plates, là, j'aurais comme mis... Ah, j'ai trouvé ce que je vais mettre. J'ai trouvé! Mais non, je fais des blagues, le gloss. Ouais, regarde comment ce serait beau. Je trouve le bout, puis même ça, ce serait beau. Des fois, dans la boîte de Pandore. Puis même... Moi, c'est toute la même grosseur, je pensais qu'il y en avait des plus petites. Mais non. Juste une comme ça. Cette dentelle-là, je l'ai pris chez Fabrica Décoru. Tant qu'à faire, je fais du... Je fais du ménage. Celui-là, je ne le prendrai pas. C'est des blagues, Caroline. On ne parlait pas du gloss. On fait des blagues. On fait des petites blagues. Tout... Non. Ça se peut, j'en mets un. Oh, peut-être ici. Ouais. Je parle tout seul, hein? Mais non, après, je parle pas tout seul, vous êtes là. Mais dans la vie, je parle très souvent tout seul. Ça vous arrive tout souvent, vous autres? De parler toute seule? Je mets ça là ou là. Non, ça va être là. J'avoue, hein? Mais là, tu me parles et je te réponds, Caro. Fait qu'au moins, t'es pas toute seule dans cette petite épreuve. Bon. Je vais mettre un petit peu de... Là, ça, de la manière que les sacs sont faits, c'est un peu de la boîte parce que tu le rouvres, tu le brises, puis... Oh non. Non, c'est pas si pire. J'ai comme pas le goût d'avoir des petits séquins partout. Mais pour vrai, c'est pas l'emballage le plus terrifiant. Comment on fait pour mettre des sequins puis qui collent? Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, un autre pot que... Ah! Je pensais que j'allais pas être capable de l'ouvrir. Je vais mettre, c'est du médium acrylique. Je vais y mettre un petit peu de sequin. On va me faire une petite giblotte. Ça va être transparent, mais que ça sèche. Fait que ça va être juste beau. Là, c'est lait. C'est quoi, Pickwill?
C'est-tu un... Envoie-moi une photo, Joanne. Envoie-moi une photo. C'est-tu quelque chose que j'ai pas? J'en veux. Hey, mes chiens sont bien tranquilles. En tout cas, je me suis organisée avec mes moyens du bord. Ça va être juste plus long à sécher. Mais puis là, on attend. Il en reste plein. Tu peux pas mettre de photos sur le live, là, mais Joanne, tu m'en mettras. Ouais, on veut savoir c'est quoi du... Oh, merci, Joanne, c'est super gentil. Je connais pas, pour vrai, je connais pas. Puis si ça l'aide la patience de tous avec les sequins... Pas les séquins, mais les séquines. Je vais porter ça maintenant dans mon petit lavabo. Je sèche ça. On met de la couleur pour les tureux. Ouais, fait que crème. Quelque chose que je connais pas, j'aime ça. Ouais, parce que durant le live, vous pouvez pas, hein? Mettre des photos. Mais j'aime ça, moi, un tag transparent. Avec du glitter. C'est genre rare que je fais des créations brillantes. Je suis pas tant brillante dans la vie. Je me trouve drôle en plus. Fait que là, la prochaine création, ça va être une page avec pas cette collection-là, mais avec une coupe de patente de AB Studio. Ça me fait du bien, mais j'ai quand même mélangé du fabriqué décoré. Hein? Ça vous tenterait-tu, là, cette semaine? Je vais voir mon horaire chargé. En fait, là, le bug, là, c'est que j'ai souvent... J'en ai un noir. Écoute, puis je peux même t'en commander un si tu veux, Cynthia. ouais, c'est ça. J'en ai un noir qui traîne. J'aime mieux lui, il sèche pas assez. L'autre, il sèche trop. Je sais plus. Ouais, c'est ça. Mon problème avec mes lives, c'est que j'ai de plus en plus de clients en massage. Fait que j'ai de plus en plus de massages le soir. Donc, ça fait que. Quand j'étais supposée faire un live, oups, il y a quelqu'un qui me book un massage. Fait que, oui, oh, je vous baille ça. Fait que c'est ça qui arrive, fait que ça me crée des imprévus. Ou sinon, j'avais mal à la tête souvent ces temps-ci. Fait que c'est ça. Fait que, au moins, quand je suis là, je suis là. Mais oui, ça va être une page. Je vais laisser sécher à l'air libre, puis ah, un crème, moi qui voulais chercher loin. Je vous le dis, là, dans la vie, là, regarde, comme si c'est beau. Ouais, dans la vie, là, aujourd'hui, là, tout ce qui est mauve de ma maison, ben, ça me saute dans la face. Fait que c'est très drôle. Tout ce qui est mauve ou pas fuchsia, mais tu sais, les couleurs qui fait très... dans ma vie aujourd'hui, mais tout arrive. Fait que c'est si beau la vie. Bon, voilà, je pense que je vais m'amuser avec ces trois-là, plus du petit blanc. Du petit blanc. Hein, vous savez hein, que ce soit un Kitex ou que ce soit un spray, on fait pas ça. Mais on fait bien, on les roule. Ça va activer ce qu'il y a dedans. Puis ça nous brise pas les tunnels carpiens. Là, c'est le blanc, il est comme dans le fond, voilà. Saviez-vous? Je sais pas si je l'ai déjà dit.
que je roule pas de même mon gloss. Je trouve drôle. C'était pas drôle. OK, bon. Pourquoi je mets plus de blanc? Ça va venir tenir la couleur un peu. Puis le reste, je vais y aller au pinceau. En fait, la pigmentation va descendre graduellement par gravité, puis tu te pètes pas les tunnels carpiens. Puis au niveau du cutex, ça crée, surtout le vernis gel, là, ça crée des petites bulles si on les tapote, tandis que si on le fait, si vous avez du vernis, j'imagine que c'est la même affaire du vernis normal que du vernis gel, là. Ça crée des bulles, puis quand tu l'appliques, ben ça fait en sorte que, tu sais, ça va relever, ça va faire des bulles d'air, ça sera pas beau. Fait que voilà. Salut Julie! Voilà, voilà, vous avez eu une technique de vernis versus color. Oh my God! Les filles, je t'en amour! Je t'en amour avec une mauve aujourd'hui. Fait que... Voyons voir si en séchant, ça fait bien. Mais l'idéal, là, ça serait de mixer mes trois couleurs, de laisser sécher à l'air libre. Bon, en fait, vous allez devoir, à chaque fois que vous mettez du vernis à ongles, me le dire. Oh, t'as raison, ça fait des bulles d'air. Ouais, non, c'est vraiment pas bon pour les tunnels carpiens. Sinon, là, c'est pour tout ce qui est... Oh! Les filles! Oh my God, je suis en amour! Je pense que je vais le dire à chaque couleur que j'achète. Hey, c'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas magnifique? Bon. Bon, je capote, je capote, je capote. Pendant ce temps-là, j'aurais pu mettre un titre, mais je vais le trouver après. Je capote. Hey, c'est-tu pas beau? Moi, là, dans la vie, là, j'aimerais ça être un pot de couleur. Je suis déjà assez colorée de même, vous allez dire, là, mais oh my God! T'as-tu vu comment est-ce que ça fait des belles splashes? Ça fit. Ouais. Ouais, tu l'as peut-être, attends un peu. Laquelle, je te dis les trois couleurs. OK, Marc-Claude? Tes pot purple. Les potes, c'est du pototé. Mof. By the way, je fais juste dire des niaiseries à soi. Prima Donna purple. Mais semble tu l'as, celle-là. Ben là, je vais de mémoire, Marc-Claude. Et Sweet Violet purple teal. Il y a un petit peu de teal dessus, puis ça fit avec celle-là. Je vais laisser sécher à l'air libre, puis je vais me trouver un titre. Trouver. Hey, c'est rare que je mets les deux miss. Peut-être que ça fitterait. C'est peut-être trop gros, hein? Je pense... Oh non, ça ferait beau, je pense. Non, c'est peut-être trop gros. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop gros? Répondez-moi. Si c'est trop gros, je mets ça? Ou ça gâche tout? On dirait que c'est trop gros. Mais j'aimais le titre parce que mon, c'est des histoires de filles. Oh, mon chien a repris son jouet. Bonne chance. Dites-moi si c'est trop gros. Je mets ça ou je mets pas ça? Désolée, Diane. Je coupe ton chipboard. Bon. Il est moins gros. Mon chum m'appelle, ça a dit tout.
Mais j'ai coupé ça, fait que c'est pas si pire. Yes. C'est déjà plus beau. Soit que j'y vais dans le noir ou soit que j'y vais dans le blanc. On va y aller. Oh! C'était pas une bonne idée que je tasse ça. On va y aller dans le blanc. Mais peux-tu comprendre? Je suis en live. Il appelle, désolé si ça coupe. Je sais pas si ça va être beau. Blanc. Sinon, il mettra une autre couleur. Blanc, c'est ça. Noir, vu qu'il y a du noir en dessous, je pense que ça n'aurait pas ressorti. On va voir. Ceux qui sont amis avec mon chum, pouvez-vous dire que je suis en live? Stella vient d'arriver dans ma boîte. On aime-tu ça? Ça fait-tu beau? Tasse-toi de ma boîte. Tu sais, si je le mets plus. Bon, j'aime ça. Salut Amélie! Bon, ça va être comme ça. Salut Diane, t'étais tranquille? Tu faisais ta discrète? Tu faisais ta discrète? Bon. Puis les couleurs vont avoir le temps de sécher. Là. Je m'excuse, hein, Diane, si t'écoutes mon live. Ça m'étonnerait que tu l'écoutes. Mais si t'écoutes mon live, je m'excuse d'avoir chopper ton chip-bas. Mais ça faisait trop pour moi. Bon. Voilà, mes chers. Je ne le bougerai pas trop, mais je vais le laisser sécher. Ben moi, j'aime ça comme ça. C'est comme plus discret. Mais noir, ça n'aurait pas été beau non plus. Je vais laisser sécher à l'air libre, puis vous allez voir, les photos vont apparaître. On va voir les sécoins apparaître aussi là-dedans, puis comment ça va sécher sur le transparent. Fait que, ouais. Bon, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Fait que, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va, comme d'hab, le jeter. Bon, c'est une blague. Faut pas que je dise ça, vous me chicanez à chaque fois que je dis ça. Fait que, il me fut un très, très grand plaisir de bricoler en mauve, comme mes ongles mauves, qui sont plus beaux, parce que je m'en ai garoché partout. Petite vache, je vous dis bonjour en se grattant l'oreille. Voilà, hey, merci à vous, bonne fin de soirée. Je vous rappelle qu'il me reste quelques cases, puis j'ai hâte de faire mon tirage pour vous proposer autre chose. Fait que venez me parler si vous voulez du vernis, n'importe quoi, ce que vous voulez. Hey, Jannick, t'es-tu là depuis le début? Pose well que tu vas t'écœurer de m'entendre. Merci les filles, puis je m'ennuyais, fait qu'on va se voir bientôt. Bye bye!